Bon, jeune fille, c'est de 12 à 13 ans jusqu'à 30, 29, 30 ans. Donc après cet âge, on n'est plus jeune fille. On Non. est quoi? Ah, on est femme et tout le reste, on doit rester à la maison. Elles seraient plus nombreuses que les jeunes garçons, d'après certaines enquêtes. Au Gabon, le constat est que les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à accéder à l'instruction et à la formation. Pourtant, à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée ce dimanche, les avis semblent mitigés quant à la prise en compte de leur voix sur des questions portant relatives à leur avenir. Dans le concept d'égalité des chances n'existe pas. De façon générale et de façon spécifique, au niveau de la fille et du garçon, dans le domaine des études, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la fille reste fille. Fille en fonction déjà de son corps, en fonction de ses sens, même, en fait. Le garçon, on va dire, lui, c'est du genre beaucoup plus robuste, beaucoup plus foutiste. Mais la femme, elle peut s'insérer, mais le pourcentage est très réduit en fait. Les femmes peuvent jouer au foot comme les hommes jouent aussi au foot, comme les hommes peuvent être cuisiniers, les femmes aussi pareil. Donc moi je suis pour l'égalité des sexes quoi. Ici, au rond-point d'Awindji, dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, le métier de shooter est essentiellement polarisé par les hommes, comme partout ailleurs à travers la capitale gabonaise. Pourtant, on y trouve aussi des jeunes filles photographes. J'ai les mêmes chances de réussir qu'un garçon. Parce que si le garçon est capable de filmer, moi aussi je suis capable de filmer. Je crois que je gagne même plus que les garçons, parce que je suis une jeune fille. Et on m'encourage pour ça. Amener chaque fille à parler des problèmes qui la touchent directement, voilà qui justifie le thème de cette année, Ma voix, notre avenir égal. Loin des appréhensions, il existe au Gabon des jeunes filles qui se démarquent par leur talent, leur passion et leur action, à l'image de cette jeune photographe qui savoure son égalité de sexe dans la pratique de son métier.